Le joueur de football était devenu l'une des figures de la sélection espagnole championne du monde en 2010, comme du Real Madrid. Iker Casillas Mythique gardien de but de l'Espagne championne du monde en 2010, officialisé mardi août sa retraite à l'âge de trente-neuf ans. Un choix sans grande surprise après plus d'un an sans jouer à la suite d'un malaise cardiaque. Aujourd'hui, il est à la fois l'un des jours les plus importants et les plus. Difficile de ma vie sportive, le moment de dire au revoir est arrivé, écrit le portier dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, avec vingt. Cinq titres au cours de sa carrière dont la Coupe du Monde 2010, deux euros, 2008, 2012, et trois Ligues des Champions, 2000, 2002, 2014, avec le Real Madrid, il incarnait l'âge d'or de l'Espagne du football. Un malaise cardiaque à l'entraînement en mai 2019 avait mis un brutal coup d'arrêt à sa carrière. Après plus de mille matchs professionnels, même s'il était resté formellement membre cette saison de l'effectif du FC Porto, vainqueur du doublé championnat, Coupe du Portugal, Lire aussi le footballeur espagnol Itker Casillas hospitalisé après un infarctus à l'entraînement La fin de « San Itcare. Quatre ans avant cet infarctus c'est les larmes aux yeux qu'il avait quitté le Real Madrid, son club de toujours, pour partir achever sa carrière au Portugal. Le Real exige beaucoup de toi, chaque année davantage. Résumé, il alors, fataliste, malgré cette retraite dans un quasi-anonymat, plus d'un an après son dernier match professionnel, il quitte les stades avec un surnom qui illustre sa place dans l'histoire du football espagnol sanitzker, l'ange gardien du club madrilène et de l'Arora, car longtemps, comme Raphaël Nadal, en, Tennis les frères Gazol en basket ou Fernando Alonso en sport. Mécanique Le portier Madrilène avait symbolisé l'Espagne triomphante, loin des complexes du passé il aura été l'un des boulonnables gardiens du club madrilène pendant 15 ans et celui de la sélection espagnole pendant sa période dorée. établissant un record de sélection 167 depuis dépassé par son ancien partenaire Sergio Ramos, 170, en cours. Sa culture de la gagne. Il a tant envisagé de la porter hors des terrains. En février, il se portait candidat à la présidence de la Fédération royale espagnole de football RFEF, avant de renoncer en juin en raison de la situation sociale, économique et sanitaire